La compagnie de retour pour un bivouac, voilà où je vais, direct de chez moi, à pied, sans la voiture, dans les Vouians, comme la dernière fois d'ailleurs, décidément. Voilà, allez, à plus. Vrai départ de la balade au parc Karl Marx, pour les connaisseurs, donc sympathique. Ça part bien raide au début, 10 minutes raide où je vais être trempé et après ça continue beaucoup sur 1 heure ou 2 je pense. Allez, à toutes. Voilà, fini la montée. Enfin la petite montée de 10 minutes qu'il faut. Une bonne montée de chaleur. Aujourd'hui il fait super chaud, 32 je crois. Je vais partir là-bas. On suit la route pendant un petit moment. Allez, à tout de suite. Alors, ben, je suis arrivé. C'est sympa. Des clairières, magnifique. Je vais chercher un spot. Je suis en hamac. Donc, faut que je trouve le bon spot. Mais ça devrait être facile. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est royal. Allez. Ça y est, trouvé spot. Du coup, dans les bois. Dans les prairies, forcément. Pas d'arbres. Je m'en doutais, mais elle serait bien. Ah, pas mal. Là, c'est vraiment minimaliste, pas de feu, juste même pas de tarte, juste le bivouac et voilà, tranquille, léger, hyper léger ce soir. Ouh, pas facile. Facile de vivre. Petit zoom sur mes chaussures. Des chaussures de cordonnier français grenoblois fait main. Un prix accessible. Je les ai payés 160 euros. Donc, Canin, très connu des montagnards à Grenoble. Réparable, à tarif abordable, robuste. Alors, si vous cherchez de l'ultra light, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Mais c'est du solide, robuste, j'ai ça depuis des années. Celles-là sont neuves, mais avant j'avais des montantes que j'ai encore. Mais voilà, acheter local, acheter artisan, arrêter d'acheter chinois. Voilà quoi. Bon, en fait, j'ai changé d'avis, improvisé un feu parce que c'est infesté de moustiques tigres. Déjà tué plusieurs, donc bon, je me disais que ça les éloignerait sûrement la fumée. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. On verra. Allez, à plus. Voilà, repos avec. Un couteau super sympa. Martini. Un martini, donc finlandais. Une petite boîte finlandaise que j'ai découvert via Odona Outdoors. Et donc, s'il voit la vidéo, ben je l'ai bien testé depuis quelques mois.
est super agréable. Il est hyper tranchant. Magnifique en plus. Pucco traditionnel. J'adore, je suis fan. Avec la... L'étui. Franchement, pour le tarif, c'est plus qu'honnête. Je crois qu'il coûte 30 ou 40 euros. Le passant en ceinture, là, c'est super agréable parce que il va pas se bloquer, il va pouvoir bouger suivant la position dans laquelle on est. Bref. Une marque très sympa à découvrir. Moi, je l'avais. On peut acheter en direct chez eux. Sinon, j'avais acheté sur un site internet directement en Finlande. Je sais plus le nom du site. Lumia ou un truc comme ça. Enfin, un site assez connu, je pense que ceux qui s'intéressent au sujet doivent connaître l'humain, enfin j'ai oublié, j'ai plus le nom en tête. Voilà, et là j'ai acheté une hachette, une mini hachette de randonnée, toujours de la marque Martini. Je vais la recevoir. J'aime bien, c'est des tarifs honnêtes. Du bon matos, de l'acier au carbone, bien sûr. Parce que j'ai de plus en plus de mal avec l'inox. Je trouve que c'est pratique, mais il n'y a pas d'âme. J'aime bien quand il y a une patine qui se fait avec le temps. C'est vraiment personnel, une question de goût. Mais voilà, la petite hachette, je l'ai prise aussi en acier carbone, à l'ancienne. Et puis voilà. On verra ce que ça donnera. Et ben, je vais continuer ma petite soirée tranquillou en solo. Allez, à plus. La petite bière. Oatmeal Stout. Pas trop de minutes de Hoppy Road. Une brasserie que je recommande. Une tuerie. Celle-là, elle est à 6 degrés. Tranquille, pas très forte, mais... C'est une bière torréfiée, donc goût des notes de chocolat, café. Bon, ça va pas faire la mise au point, mais enfin, bon, bref. Donc brune évidemment une stout, voilà. Bref, tout ça pour dire que il faut goûter les Hoppy Road dans son caviste préféré. Et voilà. Plutôt bien dormi, à part les moustiques qui faisaient du bruit mais qui n'ont pas piqué. Ils n'ont pas aimé ma peau. Voilà. On va se lever tranquille. On redescend. Et ce soir, je repars bien bloqué. Allez, à plus. On sort de la brousse. Voilà, j'arrive.
Merci de regarder cette vidéo. Et à une prochaine.